Mais qu'est-ce qui n'est pas du travail? Ah oui, j'ai mis l'ascenseur. Voilà. Regardez-moi, cette transition était incroyable, n'empêche. C'est beau quand même, hein, d'avoir accès à tout avec un clavier. Hein. C'est beau, hein, c'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. Je suis content de cette trouvaille. Ah oui, c'est vrai. Venez mourir, venez mourir. J'avais oublié. On est dans la tour de Turlag, de Durlag, avec plein de pièges partout. Donc on va envoyer Imoen un peu se balader. Je pense que ça va être ça l'histoire. Et Razad. Voilà. Alors, attendez. Oui, j'ai fermé. Bon, 2 minutes. J'en ai assez. Oui, c'était normal. Enabler qui vient de débarquer. Alors. Ah oui, mais du coup, nous, on doit descendre. Donc, en fait, les dangereux pièges, c'est Oui, en bien bas. sûr. Faites preuve d'extrême prudence ou vous finirez en torche vivante comme un de ces touristes malchanceux. J'aimerais vous parler un moment qu'avant ne ressemblait pas aux autres. Je sens que vous ne croyez pas un mot des bêtises que je raconte à la plupart des gens. Il y a quelque chose qui vous dans vos yeux qui vous dit « Je ne crois pas au danger, je ne connais pas la peur. Et j'irai où toute personne saine d'esprit n'irait jamais. Vous êtes la personne qu'il me faut. J'ai une des vraies pierres magiques menant au donjon. En dessous, mais je ne suis plus aussi téméraire que je l'étais. Je vous la donne pour la somme de... » Attends, on s'est déjà fait carotter. Je sais que je suis riche. Touriste. Oui, bah c'est ça, c'est que... Déjà, on est des touristes dans un escape game qui est un peu violent, je trouve. Un peu Squid Game, you know. Alors sachez que cette musique-là, que tout le monde pense avoir découvert dans Squid Game, c'est en fait que vraiment la musique de, enfin c'est une chanson de quoi de comme si vous chantez, bah, comme dans le jeu quoi, de qu'on voit dans le premier jeu de Squid Game qui est le roi du silence, enfin le roi du silence, comment, le soleil là, comment s'appelle le truc où tu te retournes là et tu dis ah oui, 1 2 3 soleil, c'est 1 2 3 soleil en fait. Alors on va lui dire c'est pourquoi seulement 300 si c'est une vraie. C'est tout bénéfice pour moi. Si vous réussissez à traverser quelques salles, vous trouverez l'or et j'aurai une nouvelle attraction pour ma visite. Si vous n'y parvenez pas, je récupère la pierre ou j'aurai au moins un cadavre, votre cadavre à exposer. Je suis gagnante sur tous les tableaux. Affaire conclue. Info très médiocre. Hein. Ouais, 1, 2, 3, soleil, merci, Clamelu. Voilà. Quelqu'un d'autre y aille à ma place. Non, non, non. Alors, du coup, Louis dit je sais que celle-ci est vraie car j'ai ouvert la porte moi-même, mais il me manque les muscles et les talents d'un aventurier. Si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre.
Eh bien, je n'avais vraiment rien compris. Allez trouver les autres godiches avec lesquels vous pourrez chaparder dans la tour maintenant. Veuillez m'excuser au nom du ciel, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mage? Salut à vous, mortel. La mort vous souhaite la bienvenue. Ce lieu n'appartient qu'à moi, et tous les autres tomberont ou fuiront. La visite est terminée et la tour est fermée. Tous ceux qui rentrent connaîtront la souffrance et périront. Telle est ma parole, et attentivement, vous m'écouterez. La visite est terminée. Alors, je trouve que c'est une drôle de coïncidence que Ike n'a pas sa thune et qu'un chevalier démon apparaît. Coïncidence incroyable. Non, j'ai cliqué sur Jair. On va lui envoyer les flammes de l'enfer. Est-ce qu'on peut lui envoyer quelque chose d'autre? Non. Et le toucher vampirique, je crois que j'en ai deux. Voilà. Le toucher vampirique. On va lui avaler toute sa vie avec un combo de toucher vampirique et un petit Kamehameha dans sa tête. Voir comment il réagit à ça. Bon bah il va mourir, on va voir ce que ça donne. What? Il est très très puissant ce gars. Ah bah du coup on a gagné une pierre sésame encore une fois. Que je peux pas identifier. Qu'est-ce qu'il a lancé? Il a une résistance à la magie, quel enfer. Boule de feu. 34 points de dégâts. Waouh, Ike dead. On a raté tous nos trucs, hein. Oh, touché vampirique, non, on l'a touché un petit peu. Il a lancé une boule de feu sur le touriste. Sur Ike. Et on a bien avalé la moitié de sa vie, soi-disant. Mais Jaira n'a pas lancé son sort. Non. Pas d'accord. C'était juste ça? Attends, parce qu'on a... Il y a... Jaira, elle a fait quelque chose, là. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Elle a lancé son sort et c'était gratuit, genre il n'y a rien qui s'est passé. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Oui, bien sûr. Je comprends pas. Je ne crois pas, c'est un faux très médiocre. Voilà. Allez. C'est quand que t'apparais? Voilà. La mort vous souhaite la bienvenue. On peut quand même lui placer des attaques, donc du coup, logiquement, il peut en toucher. Il y en a une qui va toucher. Voilà, allez. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Et il disparaît après, c'est ça. Bon, alors du coup, est-ce qu'on a réussi à le toucher un peu plus que tout à l'heure? Je ne sais pas. Alors, Jaira, elle a réussi son sort, mais du coup, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. On voit toujours pas. Elle a un jet de sauvegarde, mais elle a pas de... Bon, il est résistant à la magie, donc du coup... On va pas claquer nos sorts, hein. On va faire la technique du... c'est Dorn qui reste. Et on s'enfuit, nous. Oui. On va se cacher dans une des salles. Oui, ici, bien genre. Sûr. Voilà, et Dorn va parler. Je ne vous crois pas. Voilà. Bizarrement, il arrive au moment où il n'est pas d'accord. Que si je peux faire aura de désespoir, je leur fais peur ou pas, je sais plus. Ah oui, c'est les adversaires.
On va se barrer là-bas. Bon bah, bonne mort, hein. La mort vous souhaite la bienvenue. C'est bon? Une tâche facile. Incroyable, hein, quand même. Hein. On a vu dans le futur de... Bonjour, Dédé. Dédé ou Dedeux? Alors, on récupère la thune, bien sûr. La pierre sésame, bien entendu, qu'on peut pas porter parce qu'on est blindé déjà. Et eux, ils avaient rien dans les poches. Dédé. Une tâche et facile. Eux, ils avaient rien dans les poches. Donc, du coup, on a une pierre sésame qui va nous permettre de rentrer dans les sous-sols. Bon. On y va. Escape game... premier du nom. Du coup, qui êtes-vous? Des blèmes. Déjà, Jaira, je sais que tu vas faire des trucs que j'ai pas envie que tu fasses, donc des pouvoirs. À vos ordres. Oui, je pense que le PNJ ne voulait pas rester selon le MJ. Je pense que vous Passons pouvez vous taper les blèmes, ça, c'est tranquille, ça. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce sort? Attendez, faut que je lise. Ah, il est inconscient. Ah oui, carrément. D'accord. C'est quoi son attaque, là, qui nous a lancé? Attaque blême. Le moment de passer aux choses sérieuses. Non, 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 non. Dégâts perforants infligés par blême. C'est un dégât perforant. Qu'est-ce qu'il a, lui? Sommeil. Vitesse de déplacement. Nausée immobilisée. C'est assez compliqué, quand même. Bon. Et c'est des blèmes normales. Mais c'est bizarre, hein, parce que ça, on l'a jamais vu. Ah, il y a beaucoup de monde immobilisé qui sont au sol. Hein. Ah oui! On peut pas toucher parce qu'il y a... Ah oui, d'accord. Ah, c'est compliqué. Mais ils avaient des sorts comme ça avant. Je me rappelle pas. On va ramener que nos fléchés. Facile. Cette histoire. Mais attendez, mais on est... On va descendre. Déjà. Oui. On va se positionner en mode attaque ici. Facile. Non, 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 non. Tous les gens là, qui marchent en courant vers les gens, s'il vous plaît, ne courez pas vers les gens, s'il vous plaît. S'il n'y a pas le choix. Si c'est possible. Faites des choses par contre. Hein. Laissez-les sortir, oui, mais sûr. Faites des choses. Suivez les conseils que je vous donne, un petit peu. Merci. Bon, Jaira, tu vas nous faire des trucs, hein. C'est où le niveau 2 de ces sorts, là, puisqu'on les a pas, là. C'est bizarre, normalement, elle devrait les avoir. J'ai tout mémorisé jusqu'au niveau 3, pourquoi je peux pas les utiliser? Les enchevêtrer. Ah! Une porte dérobée. Puis-je vous aider? Et maintenant, que se passe-t-il? Une tâche facile. On recule. Ça sert à rien, Gérard, hein, ce que tu fais. Ça prend 15 ans ton sort. Hein. Ah, ça va servir à rien, en plus, ça va rater. Tu vas mourir, vous pensez? Je pense que oui. Hein. S'il n'y a pas le choix. Oui, c'est ça, il faut juste que j'utilise ça comme ça. Je pense. C'est pas très compliqué. Et maintenant où? En fait, le problème, ça va être la récupération, je pense. Parce que là, on peut dormir ici, mais je pense qu'à chaque fois qu'on va dormir, on oui, va se faire attaquer. Sûr. Vraiment. Comme la dernière fois quand on était dans les catacombes. C'était un piège à la sortie des escaliers. Regardez-moi tous ces gens qui tombent. Hein? Razad qui se balade. Oui, bonjour. Vous pouvez sortir, vous n'êtes pas obligé d'aller là. Hein. Ah ouais. Ça a l'air de bien se passer leur vie.
Jet de sauvegarde contre la mort, c'est-à-dire que potentiellement tu peux mourir de ça là. Je les laisse, hein. On attend que le sort il se finit. Ah ouais, parce que le blême plus ça, c'est compliqué. Hein. On est... Attends, le sort il se finit à un moment, on est d'accord. C'est pas genre... Pour le groupe. Ah ouais, c'est fini. Bon, voilà, oui. C'est fini. On attend Imoen. Facile. Je pense qu'on va devoir dormir parce que tout le monde est nauséeux. J'en ai assez. Un autre piège, regardez bien, Jaira. On va débloquer tout ça, tout ça. Allez, hop. Je pense qu'on va envoyer Imoen un peu partout, hein, parce que là... Déjà un puits. Un puits dans une tour. Et en plus, au sous-sol. On approche des trucs qui sont un peu bizarres. Hein. L'architecte a décidé des choses un peu spéciales. On va ouvrir cette porte. Hein. Ah! Par ici! Ah? Qui êtes-vous? Ah, un vagabond, un peu comme moi. Vous feriez mieux de reprendre votre route car les visiteurs ne sont pas appréciés par ici. Plutôt rester en vie et partir comme moi. Qui êtes-vous? Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ici. Attendez-vous à voir encore beaucoup d'autres choses qui vous surprendront. Ne me faites pas rire, j'ai une fléchette dans le gosier qui me fait du tort. Je m'appelle Bayard, et mes amis et moi-même sommes arrivés ici en même temps que vous. Cet endroit a l'air de valoir le coup, mais j'ai décidé que c'était en dessous de mes forces. Ok. J'enlève le E2. Toujours mettre un puits dans une tour. J'imagine que ça se faisait, en fait, mais en vrai, je sais pas du tout. Pas en France en tout cas. Je me débrouillerai mieux, c'est certain. J'ai l'œil pour les pièges et autres dispositifs. Je pense qu'il devait y avoir un accès à l'eau dans une tour, mais... Une tour de guerre, sans doute, parce qu'en vrai, c'est un peu ça. Si t'as un puits à l'intérieur, c'est pour éviter de sortir de ta tour, quoi. Après, ça paraît logique, hein, dans l'histoire, hein, au final. Je me débrouillerai mieux, c'est certain. J'ai l'œil pour les pièges et autres dispositifs de la sorte. J'ai battu un nombre de ces créatures peureuses par le passé. Je suis plus capable de vaincre ce qui m'attend là, pas de doute à ce sujet. Rien ne m'a résisté jusqu'à présent. On va peut-être pas se la péter à ce moment. Ces propos vous sont dictés par la peur. Je n'ai pas de telles préoccupations. C'est un monde de charge, exact. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je me débrouillais mieux, c'est certain. J'ai l'œil pour les pièges et autres dispositifs. Ouais. Si vous vivez assez longtemps pour lutter contre les créatures qui habitent cet endroit, vous pourrez remercier votre bonne étoile. Même les murs vous tiendront en échec. Les pièges classiques ne mettent à l'épreuve que la dextérité. Mais il ne s'agit pas seulement d'une enfilade de pièges mécaniques. Durlag, aussi violent que sanguinaire, avait bien l'intention de tuer tous ceux qui entraient dans ces murs, pas seulement les en empêcher. Il y avait évidemment des pièges, déclenchés par des fils, des pas ou des sons, mais il y a aussi des épreuves qu'il a inventées pour distinguer ses amis de ses ennemis. Vos doigts agiles ne suffiront pas pour vous échapper à ce qui vous attend. Ah non, il nous faut Raving Bell pour pouvoir faire les énigmes. Moi, je suis nul à ça. Certains pièges ne pardonnent pas. Prudence. Ou la mort vous apportera facilement. Est-ce que je suis capable? Pourquoi en êtes-vous si sûr et pourquoi y avez-vous abandonné vos amis? Bonne question. Je n'ai pas abandonné mes amis. Ils sont peut-être jeunes, mais ils sont assez grands pour prendre leurs propres décisions. Je ne vais pas chaperonner des garçons capables de tirer leur épée pour se défendre. Je ne cache pas les risques. S'ils veulent continuer, ils connaîtront le destin qu'ils se seront choisi. Quant à moi, je pense qu'il vaut mieux vivre. Cet endroit est le royaume de la mort, elle est dans l'air et pénètre vos vêtements. Mes amis s'exclamèrent par tous les dieux. Quelle est cette odeur épouvantable? C'est la puanteur de la mort, leur ai-je répondu. Ok. Alors du coup, si jamais vous êtes enfermé en sous-sol, par exemple si vous allez dans des catacombes, etc., ne quittez jamais votre groupe, surtout s'il y a en plus une lumière et une map. Restez en groupe. Oui, tout cela est bien pittoresque, mais qu'y a-t-il à craindre vraiment? Vous parlez des pièges et des monstres infernaux, mais tout ce que je vois, c'est un petit homme effrayé. On va peut-être pas être comme ça. Un de vos amis, l'un d'entre eux, ne s'appelait-il pas Dalton par hasard? Ça, c'est notre quête, donc on va peut-être faire ça. Ainsi, la tour est truffée de pièges et habitée par des monstres. Ok. Comme tous les donjons où je suis entré, c'est vrai. Je vais tenir compte de vos avertissements, mais je dois tout de même y aller. Danger ou pas, je ferai ça. Alors, la 2 ou la 4, de toute façon. On va faire la 2. Voilà. Vous connaissez ce garçon? Ou est-ce sa mère qui vous envoie? Elle est un peu inquiète, n'est-ce pas? Bah, un peu, ouais. Elle a peut-être raison, je m'inquiète aussi pour lui. Il ne prend pas cela très sérieusement, et quand il s'en rendra compte de ce qu'il a vécu, le réveil sera sûrement difficile. Il est avec mes amis, plus loin, que je ne voulais aller. Vous les trouverez peut-être, si vous cherchez, mais je pense que la voie qu'ils ont empruntée a été obstruée.
Il y a tant de passages que Durlag a apparemment estimé qu'il pouvait en écrouler quelques-uns. Okay. Cet endroit n'est pas une ruine, ne subit pas les effets du temps et a été conçu pour garder les gens à distance, ou bien les tuer. Même la porte la plus simple semble fermée par des pierres, sésame. Si vous entrez ici, c'est pour réussir ou mourir. Ah, je vous raconte tout ça, mais votre vie, vous regardez. Vous en faites ce que vous voulez. Okay. On en a deux pour l'instant. Peut-être qu'il faut le tuer pour pouvoir en avoir une troisième. Hein. On sait pas. On saura ça au moment où on va être bloqué. Oh, regardez-moi ça. C'est pas possible de faire un rappel de ça. On va regarder le journal, parce qu'apparemment, y a eu du texte. Ça, c'est le fils de disparu de Turla, donc Dalton. Et la tour qui a été tout juste à explorer, que j'ai rencontré un homme du nom de Bayard. Rappel, voilà, chevalier démon. Ok. Ça, c'est les choses qui se sont passées récemment. On va aller par là, hein. Il y a sans doute un piège, hein, mais on va envoyer Imoen. Oh là là. Moi, je m'en vais. Mais Kali, t'es pas obligé d'y aller tout seul, hein. Combat épique dans les couloirs. J'ai besoin de quelqu'un qui flèche là. Vite. Là, ils sont tous les deux fixes. Voilà, bam. Merci Roland de la Tour Bresson, le vrai héros de cette partie. Serviteur de Dame Nature attend. Une tâche facile. C'est quoi les bruits? Ah, ils essayent de s'en sortir avec des jets de sauvegarde, c'est ça? C'est bon? Un de vous là, non? Bon, faut qu'on fasse dodo hein, déjà. On a déjà fait même pas une descente qu'on est déjà en train de galérer. Là, comment je fais pour pouvoir les sortir de ça? On n'a pas les pouvoirs de Gérard. Que je faut que je fasse un truc avec le livre de sort et que je lui dise ouais, en fait, tu prends ça et tu mets dans le truc. Parce que là, c'est mémorisé. Mais je peux pas les utiliser au niveau 2 et niveau 3 là. Il manque un truc pour pouvoir que je les utilise. Il va manquer un truc. Hein. Bon. S'il n'y a pas le choix. Je vais envoyer Roland de la Tour Bresson. Maintenant, que se passe-t-il ? Je vais envoyer Roland de la Tour Bresson tuer le blême d'une de flèche dans la tête. Aha ! Aha ! Ah non! Vite! C'est comme si c'était fait. Oh là 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 là, on peut pas vous faire confiance, vous êtes tous à vous faire stun. Voilà, bim. Pour le groupe. On va devoir attendre qu'il se déstun, j'en peux plus. Donc ouais, on en était sur le fait que je comprends pas pourquoi on n'utilise pas ses pouvoirs. Des sorts divins. Donc là, tout ça, c'est actif. Parce que c'est y a de la couleur. J'imagine que ça veut dire que c'est actif. Par contre, pourquoi ça, c'est pas actif? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir que ce soit actif? Il faut que je dorme, peut-être. Alors, de tête, tu peux apprendre plein de sorts, mais tu seras bloqué sur les emplacements de sorts. Oui, mais c'est ça. Là, de toute façon, les emplacements de sorts, ils sont limités, là. C'est juste que... Alors, attends. Je reviens sur mon livre de sorts. Profond. Divin. Donc là, on a remarqué qu'on avait des sorts en plus, 2 et 3 là. D'ailleurs, on en a encore plus. Mais le problème, c'est que... Tu vois, ils sont en couleur de ce côté-là. Moi, je les ai mémorisés. Mais je sais pas pourquoi il veut pas encore les... Quand je les utilise, ils sont pas là. Normalement, il y a page 1, page 2, page 3, je crois. Il faut dormir à chaque fois, ça doit être ça. Je crois que j'ai pas dormi depuis que je l'ai fait, vu qu'on est rentré dans la tour directement après. On va tenter de dormir ici, je pense qu'on va avoir bien sûr aucun problème dans un endroit où potentiellement on risque de mourir toutes les 6 secondes. Et toujours bien sûr dormir dans les endroits les plus obscurs à côté. Mais c'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Il y a un truc qui a changé dans la pièce? Pourquoi il y a eu un bruit strident? Ah ah, nous avons tout. Oh, qu'est-ce que Gérard va être bourrin.
Je rappelle que j'ai mis un sort qui est juste, je fais appel aux éléments électriques de la du coin. Voilà, on n'aurait pas dû dormir. Voilà. Et donc du coup, elle peut lancer des éclairs maintenant. C'est officiel. C'est vous dans le lore. Vous avez quelque chose à accomplir ? Non mais si vous utilisez les... Regardez-moi, ils ont bourriné à deux là, les soins. On n'était pas obligés, hein. On peut faire dodo maintenant, parce que moi j'ai besoin des soins. S'il vous plaît. Dodo. Merci Clem Lelu de m'aider un peu, puisque c'est vrai que là, j'avoue que j'avais oublié si j'avais dormi ou pas la dernière fois. C'est bien, on peut dormir ici. Hein. C'est la salle où on peut dormir. Rappelons-nous, ici nous dormons. Ah, oh, ça sent le piège tout le temps. Oh là là. J'en ai assez. Je vais envoyer avec Roland de la Tour Brosson. Voilà, regardez bien. Regarde. Ah mon dieu, là t'as le droit d'utiliser les sorts et puis il faut redormir pour les utiliser. Ouais. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. J'en ai assez. Ah, elle a pas désamorcé le piège. Alors attendez. Pas possible. Elle va louper tous ses jets là. Elle va louper tous ses jets, je pense. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Voilà. Voilà. On n'avait pas moyen de faire autrement. C'est une autre manière de désamorcer les pièges. Hein. Bon là, il devrait y en avoir un en descendant les marches, j'imagine. On va aller par là. Oh non! Oh non! Pas ces saletés! Bon allez, du coup, Jaira, c'est ton moment. Pourvoiement magique, blessure moyenne, appel à la foudre, ralentissement du poison, peau d'écorce. On va faire les baies magiques, comme ça, ça va nous donner déjà des baies. C'est quoi comme bestiole? Araignée en peine. Oh non, c'est celle qui... Oh non. En fait, faut être énervé contre elle. S'il vous plaît. Balancez-lui des kamehameha dans sa tête, s'il vous plaît. Prenez-lui sa vie. Celle-ci, je les aime pas. C'est moins pire que... Oh, ils ont raté. Oh là là. Oh là là. Elle est déjà dead. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait là pour pouvoir la retourner? C'est qui a retourné? Touché vampirique. Et elle est morte. Voilà. Elle est morte en se retournant. C'est la première qu'on voit qui se retourne, je crois. Hein. Non? Et du coup, on a des bonnes baies. C'est qui a besoin? Tu les manges les baies ou c'est juste pour faire beau? Après c'est un à chaque fois et moi je trouve que c'est pas mal comme truc. Bon c'est un point, ça vaut rien mais c'est dans l'idée c'est pas mal. Alors hop. On va essayer tous les sorts de Jaira pour voir. Guéri de pas mal, hein, mais pas incroyable non plus. Hein. Oui, bien sûr. Ok. Sauvegarde. On a trouvé une araignée. Je pense qu'on peut sauvegarder. Alors, on va prendre nos archers. On va essayer de voir s'il y en a d'autres. Ah, ça sent le piège avec plein de d'araignées, ça. Ah, attends. Il faut que je change la luminosité, je vois rien. Ah.
Alors, s'il y a trop d'araignées dans le sable, peut-être que je vais censurer, vu que maintenant que je peux utiliser des touches. Les araignées sables, c'est vraiment l'enfer. Oulala. Plus grand que je ne pensais. Ah ah! Un mur piège. Je ne sais pas à quoi ça... Qu'est-ce que cela signifie, un mur piège? Ça sert à quoi? Je m'en vais. J'ai piégé un mur. Ça veut dire, est-ce que si tu utilises la bibliothèque ici, le mur il se déplace? Ah, j'ai envie d'essayer. Vas-y, attends. Ah, mais tu peux vraiment trouver des trucs bien, mais par contre, tu te fais. Il y a un livre qui t'explose à la tête. En fait, en vrai, il n'y a pas grand chose de bien. Une targue. On va. Voilà, déjà, ça nous donne un peu d'expérience. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quoi? C'est quoi ça? Salut Sanzai. Alors attends, parce qu'il faut que je te chauffe. Sanzai qui fait Baldur 3, d'ailleurs. Et je crois que t'es à ton millième épisode, bien sûr, parce que c'est pas du tout infini comme jeu. Merci d'avoir été là, d'ailleurs, je crois, hier, parce que j'ai cru te revoir dans le raid chez Tiflin. Tac, est-ce que c'est... Potion de force des géants de colline, je pense que ça va être pour Odorn, ça. Voilà, j'étais sûr que c'était pour Dorn. Par contre, on est d'accord, les sorts, on s'en fiche. Hein. Ah, convocation des monstres. Il y a personne qui peut utiliser ça, n'est-ce pas, Gérard? Tu es druide, tu peux pas utiliser des sorts de mage. Là. On est d'accord? Voilà. C'est fait. Vu qu'on est team no mage, pas du tout infini. Alors, attendez, parce que je shoot toutes. Je shoot toutes. Voilà, allez voir Senzai s'amuser sur, bien sûr, Baldur's Gate, qui est pas du tout le 1 d'ailleurs, parce que le 1 c'est Advance Donjons et Dragons, et Baldur's Gate qui est sorti, c'est 3.5 je crois d'ailleurs, c'est même pas le 5 de mémoire, ou c'est le 5? Je sais plus. Bref, les règles ont changé après plus de 20 ans. C'est le 5. Ok, ah, donc du coup, c'est le premier avec le 5, c'est ça? Après, l'Ariane Studio, bien entendu. Curse sur Divinity, hein, bien entendu. Grosse découverte où tu pouvais balancer des... tu pouvais quand même balancer dans Divinity. Et ça, c'est incroyable, je l'ai jamais fini, mais faudrait que je le finisse un jour. J'en suis à la fin, en fait. Mais j'y arrive jamais à la fin. C'est que à la fin où j'y arrive pas d'ailleurs. Divinity où tu pouvais lancer, et ça c'était incroyable, lancer des tonneaux dans la tête des méchants. Et ça, qui aurait pu... Qui aurait pu, c'est qui? Ouais, c'est... Pourquoi il me lance un sort lui? Les tonneaux dans la tête, des tonneaux d'eau, des tonneaux de feu, des tonneaux d'huile. Et après, tu pouvais faire des trucs en faisant des mélanges. C'était magnifique. Ça sera sur Donjons et Donjons. Ouais, mais c'est ça. C'est le 5. Ça paraît logique, oui, c'est vrai. Neverwinter, c'était 3.5? Ah bon? Je savais même pas. Mais c'est quand même une stratégie. Moi, je me baladais avec tellement de tonneaux. Le but, c'était d'augmenter d'augmenter uniquement ma capacité à porter et balancer des tonneaux. C'était génial. J'avais ça et jouais bah il y a en fait le problème c'est que tu peux pas vraiment choisir le personnage que tu joues mais c'est un autre problème. Je sais pas comment je vais me débarrasser parce que c'est à distance. On va faire on va prendre notre sniper à l'arc préféré. C'est des bois. Oh, ils sont... Ah non mais c'est un mage, un grand bobo. Piou. Piouf. Voilà, regardez bien ce combat infernal. Je pense qu'on va y arriver. Parce que c'est comme ça qu'on joue. Quand on est... dans Donjons et Dragons, et surtout Advance Donjons et Dragons, bien entendu. On ne se limite pas. On va essayer aussi avec Jaira pour voir. Voilà.
Gera, petit sort pas du tout bourrin de de lancer des éclairs dans ta tête. Salut. Oh non. Oh, ils sont beaucoup trop. Mais pourquoi? C'est fait. Pourquoi il s'est dédoublé? Ok, donc je lisais ton message. Ah, c'est même une technique de speedrun dans... Non, c'est un speedrun? Choper un tonneau de Death Frog sur le navire du prologue et le jeter sur le premier boss à la fin de l'acte 1. Ah bon? Tu n'as pas compris quoi? Pourquoi ils ont décidé de se s'énerver? Là, ils sont dédoublés en 3 parce que c'est un mage. Tu veux qu'on regarde les attaques? C'est un grand doppelganger qui peut enfanter des doppelgangers d'après ce que j'ai compris. Image miroir, donc ça c'est l'attaque de base des magiciens qui veulent éviter de se faire toucher direct. Jaira a décidé de pas lancer son sort. Ah non, elle a foiré son sort. Ah, il peut pas être lancé en intérieur. Intéressant. Peut-être qu'on va changer du coup. Bien sûr, le grand doppelganger nous a dit « Grand temps d'avaler un bon steak ». Je pense que c'est donc Roussel. Ok, subit 6 points de dégâts, grand doppelganger résiste à 2 points de dégâts, on va mourir. Et il y a des restrictions chez les druides, oh là là, mais on n'apprend rien dans ce jeu, faut lire le lore. Après avoir joué, Jaira, tu peux partir, je pense. Ah, quoi que non, reste ici, balance-lui un sort divin de ta baguette magique. Et nous, on s'enfuit. Oui, bien sûr. Regardez-moi cet enfer, regardez bien, regardez comment ça se déplace. Est-ce que j'ai prévu un dead quelque part? Je ne crois pas, parce que... Alors attendez, faut que j'aille vérifier, parce que je crois que j'ai pas mappé dead. Dane. Je vais le mettre sur un... Parce que je crois que, ouais, c'est ça, c'est le seul truc que j'ai pas fait. Lol. Alors que j'en avais besoin, et je me suis dit, bon, ouais, avec le clavier, ça va aller plus vite et tout. Le roussellement, exactement. Je vais mettre la touche 25, parce que je sais, au moins... Que la touche 25, c'est celle qui n'est pas attribuée pour l'instant. Voilà. Et donc du coup, si j'appuie sur la touche 25... Non. Voilà. J'appuie 2 fois mort. Et normalement, le compte... Voilà. 31, c'est bon. On a un problème, je pense. Ah non, il a compté 2. Alors attendez, il a compté 2 parce que j'ai appuyé 2 fois. Faut que j'enlève. Mais Clem Lelu, tu vas faire la blague, je sais. Bien sûr, ce n'est que 31. On en était qu'à 31. La blague que Clem Lelu comptait faire, c'est que Clem Lelu était là quand je faisais les tests de clavier. Et le problème, c'est que j'essayais de faire les... Je l'ai expliqué déjà, mais je le réexplique, c'est pas grave. L'organisation des potentiomètres, donc du coup des knobs de volume, là, les tailles, de minimum à maximum, il y a 127 crans, donc du coup quand je tourne le truc, il y a 127 fois une commande qui est lancée. On est arrivé à 300 morts, parce que j'avais oublié que Dead était toujours mappé en... commande indéfinie, et donc il s'est dit, bah en fait, ça doit être celle-ci que tu veux lancer. Non, c'était pas celle-là. On va essayer avec Razad, mais je pense que ça va être pire avec Razad, parce qu'en vrai, il faut du corps à corps. Mais Razad, au moins, il a une sorte de sort de corps à corps, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec un Kamehameha. Non, un Kamehameha. Voilà. J'ai l'impression que ça ne marche pas trop, donc on va attendre en groupe. Bien entendu, nous allons mettre nos archers... Oui, caché sûr. Ici. Jaira va nous faire un petit enchevêtrement de l'enfer quelque part. Alors, fourvoiement magique, c'est quoi déjà? Ah, bah voilà. C'est ça qu'il faut lancer avec Jaira. C'est comme allez, si viens. C'était fait. On va se positionner ici. Et je nos corps à corps vont se cacher là. Que un mage n'aime pas les corps à corps.
On t'attend. Il a lancé hâte. Comme un bon Pokémon. Quel enfer, la technologie c'est bien jusqu'au moment où il faut le setup. Un ingénieur probablement. Alors. Non mais c'était. Non mais. J'utilise StreamerBot, qui est quand même un bot vachement bien. Qui maintenant sur cette chaîne s'appelle 12bis. Je peux toujours essayer. Il a de la capacité de corps. Dans le sens où je peux même utiliser du C-Sharp, du C-Sharp si j'ai envie. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Mais. Ah. On va le diminuer ses sorts tout de suite. Hein. Puis-je vous aider ? Mais oui, il y a des trucs que si tu fais pas attention, par exemple là c'était nouveau pour moi de mettre un clavier MIDI, parce que là j'utilise quand même un truc. Mais normalement c'est plus pour la musique. Hein. C'est pas un deck que j'ai. C'est ça. Après m'a prêté ça. Et du coup j'utilise ça pour lancer les commandes. Sauf que pour pouvoir l'utiliser comme deck et ne pas claquer 400 balles, StreamerBot il le facilite ça. Parce qu'il il comprend les messages MIDI. Il est pratique. Sauf que, en fait, faut bien comprendre déjà l'outil que tu utilises, plus le... ouais. Monter un peu notre système de tap. Ça y est, elle a touché ou pas ? Touché, ok. C'est bien son attaque de... Elle a bien utilisé l'attaque de diminution des sorts. Et tu peux y aller. Du coup, on va juste transformer un peu son gourdin. Ouais, un utilisateur de Debian. Voilà. J'ai même pas vu sa mort tellement c'était... Tâche facile. De Debian. Vous êtes dur avec les gens qui aiment bien Linux. Hein. Oh non! Mais ils sont pleins en fait! Moi je croyais que c'était la même personne qui avait lancé un sort, mais non! C'est juste, ils sont pleins. Oh, mon cœur, il est... Bon bah écoutez. Tu peux lancer. On va faire la bénédiction. Attends. Parce qu'on est en groupe là. Je m'affaiblis. Il va me... Je ferai peux t'enfuir. De mon mieux. Et la police tue. Quoi ? Le sort, le sort de bénédiction a été lancé. Ou c'est Hatt qui nous a touché. Attends, il y a eu un mélange de sorts. Hein. Non ? Je sais pas. J'aurais jamais. Bon, on va utiliser les capacités potentielles qu'on peut avoir. Toucher vampirique, ça serait pas mal, non ? Je pense qu'on va mourir hein, dans cette histoire. Ça a l'air très très compliqué. Hein. S'enfuit. C'est qui va là-haut? On peut flinguer lui là. C'est qui? C'est Dorn. Toi tu vas aller flinguer lui là. Nous, on va s'occuper de lui, on va le bloquer lui. Et Razad il va faire le tour avec Dorn. Fuite. Petite fuite. Ah non! Je ferai de mon mieux. Ah ah, la technique de la table, tu la connais pas celle-ci, hein? Je ferai... Oh non! Hazard. Elle était bien, cette technique de la table. En plus, c'est les deux personnes qui courent le plus. Est-ce qu'on fait dodo maintenant? Oui, on va faire dodo maintenant. Hein. Ah!
des squelettes. Ça par contre je peux m'en débarrasser d'un coup. Non? On est obligé d'utiliser tout ça pour des squelettes là? J'ai à décider des deux jouets pour moi. Alors, on va faire un truc avec Jaer. Je pense qu'on va même pas beaucoup avancer en vrai. On va faire un truc, je vais juste lui enlever son sort là de bourrinage. Celui-ci. On va mettre autre chose. Convocation d'insectes, ça a l'air pas mal. Allez. Bah, les squelettes, c'est pas trop un problème. C'est le problème, c'est vraiment les doppelgangers là, qui sont cachés. Mais en vrai, est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on est obligé de les faire? Bref, on va tester. On va tester un truc. On va faire du furtif. Oh, il faut pas qu'on me regarde, c'est vrai, j'ai oublié. Il faut pas regarder. Fermez les yeux juste quelques minutes, histoire qu'elle puisse réussir son jet de furtivité. Mais pourquoi elle revient, elle? Vous êtes sérieux? Pourquoi vous... C'est vraiment uniquement pour pouvoir gratter les points de vie de Razad, hein. Je vous ai vu, hein. Pas obligé, hein. Razad ne s'intéresse pas à toi. Bon. Il interdit de quoi, là, Razad? Qu'est-ce qui se passe? Capacité absorbée de quoi? L'arme... Ah oui, c'est ça qu'elle fait. C'est vrai qu'elle fait un truc anti-magie, j'avais oublié. Bon. On avait dit qu'on lançait des... Oui, furtivité. Toujours par ici? Bon, on va patienter, hein. Mais faut vraiment pas que vous soyez là, en fait. Une tâche facile. Elle peut pas réussir si elle s'est lancée de dés si on la regarde. Très très bon. Je crois qu'on va envoyer vraiment de la troupe au son. Peut-être que lui va réussir d'un coup. Bah oui, voilà. Bien sûr. C'est bizarre cette histoire, hein, quand même. Hein. Roland de la tour son, t'es bizarre. Hein. T'es dans l'ombre comme ça. Ouais. Le problème, c'est que si c'est lui qui prend les blèmes, et qu'ils ont une capacité à nous voir, genre. Y'a un truc à voir ici. Ah! Alors attendez. Y'a rien, on s'en fiche, à part des convocations de monstres. Allez, on s'en fiche, on reste pas ici, on va pas se les taper. Si jamais on est plus fort. On le fera. Mais là, on s'en fiche un peu. Hein. Faire dodo ici. Capacité à absorber, je pense que c'est l'araignée de peine, du coup, qui fait ça. Parce qu'il y avait eu un truc anti-magie au moment où on les avait enfermés la première fois. Je soupçonne que c'est ça. Alors, je vois plus rien. Hein. Donc, faut deal with me, là, je... Mire me fracasse le crâne. Alors, on va aller de l'autre côté. Alors qu'on sait plus pertinemment qu'il faut aller là, hein, mais... Juste, voilà. Moen, si tu découvres des trucs, genre des pièges, je veux bien. Je vois rien. Ah bah voilà, je disais bien aussi. Il fallait que tu tentes de crocheter un... Ah, t'as réussi. Perception, on prend les flèches. Les convocations de monstres, il y en a beaucoup, hein. Immobilisation des monstres aussi, il y en a pas mal, hein. On va prendre les flèches, hein. Ça, c'est quoi ça? Cimetière, on s'en fiche. Mange ta baie. Ton haricot magique. Vous êtes une bien étrange personne. Merci. J'en ai assez. Ah. Donne ça à Roland. Roland de la Tour Bresson. Change ça contre un sort que je jette. 2. 3. Y'a pas de lanceur de sort. Mais en fait, si, celui-ci, on peut le lancer en vrai. C'est quoi? Ah, protection contre la magie. Ah oui, c'est vrai, faut le garder celui-là. Faut me rappeler, hein, parce que je dirais. Hein. Je vais oublier. Voilà, on est équipé de flèches de glace. Ok. Moi, je m'en vais.
Non mais désamorce hein. Tranquille, t'as le temps. Ok. Aucun qui réussit, à part si je mets le pied dessus. Oh. Oui, j'ai réussi d'une certaine manière. C'est fait. Oh non, mais c'est toujours les mêmes. Je veux pas, moi. Gérard, t'as des trucs rigolos à faire pour eux. Hein, par exemple. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas enlevé l'appel à la foudre. Attendez. Ça, on va enlever l'appel à la foudre. Oh, le snipe. On la tourbe au son, bim, bam, boum. Comme d'habitude. Une tâche facile. Moi, je propose de dormir à côté du piège, peut-être facile. Qu'il va se désamorcer tout seul. Ah ah. Entrée cachée. Une deuxième entrée cachée. Ça, par contre, on est bien en découverte de trucs, hein, quand même. Moi, je m'en vais. Tous ces pièges, à chaque endroit où on ouvre quelque chose, qu'on réussit en plus. Ah, mais il y a 12 potions de soins. Oh, on est archi riche. Attendez, faut qu'on se débarrasse d'une de lettres. On va se débarrasser de ça, par exemple. 12. Incroyable. Peut-être qu'on va arrêter la collection des lettres. Hein. Copier. Jeter. Copier, je ne sais pas à quoi ça sert. On peut jeter. Je sais pas à quoi ça sert, mais on copie, hein. Copier. Dites-moi hein, si ça sert à quelque chose, hein, mais... En vrai... On a gardé toutes ces lettres en se disant que ça sera des preuves contre eux, mais non. Là, on a trouvé la richesse. 12 potions. Multipliez ça par 200 et vous arrivez au total de l'argent que nous avons que nous allons toucher en vendant toutes ces potions de soins qu'on n'a jamais achetées. C'est vrai qu'on a fait tout le jeu sans acheter de potions quand même. Donc à un moment, là on vient d'en trouver 12, je pense que clairement... clairement on va finir le jeu avec. Ah. Bon allez, hop. Pour le groupe. Voilà, on va acheter ce qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire les fléchettes. Oh, les billes ici, pourquoi pas. Les carreaux, on n'a jamais eu besoin de ça. Les fléchettes, on est d'accord, c'est des trucs que tu lances à la main. Oui, c'est ça, c'est lancé à la main. Bon, c'est pas mal ça, en vrai. Du coup, ça c'est lancé à la main aussi. Non. Ça. Oui, c'est une fléchette. Donc, ok. On garde la fléchette. Bim. Ah mais c'est moi qui l'ai identifié là. On est 6. Ça, on est 6, donc c'est 2 chacun. Je savais pas à quel point on a galéré pour pouvoir avoir le... soins. Par contre, faut les équiper. Hein. Je sais que vous allez les claquer comme pas possible, mais au moins qu'on en rigole, quoi. S'il vous plaît, équipez-vous. Ah. Je pense qu'on peut se débarrasser de ça. Hein. Perception. À deux lettres près, Mula et Scroll. Ça sert à garder les notes dans ton journal et donc à pouvoir les jeter. Quoi ? Ça. Bah, de toute façon, voilà. Voilà.
Ok, bah du coup, voilà, je les ai copiés. Les autres, on les a achetés. Comme ça, on n'a pas de preuves. Bon, il y a des choses à ouvrir, apparemment. Moi, je m'en vais. Sans doute un piège. Pas rien. Vous voyez quelque chose? C'est quoi? Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on peut faire dodo. Bon, là, il y a des pièges aussi, hein, bien sûr. La pression. Where is the piège? Where is the piège? Razad, toi, je crois que t'as aussi de la détection. Vas-y. Where is the piège? The piège is in the couloir. Il y a un scroll case, quelque part, pour stocker toutes tes lettres et parchemins. Ah bon? J'ai pas trouvé, hein. What the fuck? Ah oui, d'accord. Bon, je pense qu'on a compris que ce donjon se fera uniquement en traversant des pièges. Hein. On va aller dormir dans la chambre qui est là pour qu'on dorme. Là, quoi? Là? Où? Quoi là? On va faire dodo. Et maintenant, que It's time to sleep. On rappelle le système du jeu. Alors attendez, parce que je suis en train de mourir de la lumière. Ah, excusez-moi. Je vois rien en plus de l'écran. Tactical Sleep to Heal, on m'avait dit, comme le système de jeu. C'est un jeu où tactiquement il faut faire dodo pour pouvoir se soigner. Et bien sûr, c'est pas du tout un RPG où on joue un personnage qui est Roland Natourbresson, où les gens nous inventent une vie. Oh non! Une araignée éclipsant. Ça va encore. Là, le piège. Il y a le piège en haut. Ah, le piège, oui, bah ouais. De toute façon, là, c'était sûr. Ah! Ah, ça, c'est une statue. Ne jamais traîner du côté des statues, parce que les statues, c'est méchant. Ah bah tiens, c'est sous le puits, ça, non? La fierté du Durlag est une arme célébrée du héros nain Durlag. Cette épée a été coulée dans la roche et on ne peut l'en retirer. Je crois que je connais cette mythologie, mais je ne sais plus d'où. Est-ce que ce serait pas une mythologie anglaise? Ah, je crois qu'on est arrivé dans les cuisines, là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, les gelées moutardes, c'est pas ouf, ça. Vous avez compris comment j'ai décidé de jouer, hein. C'est-à-dire en fonçant dans le tas. On revient au basique. Hein. On s'est dit, bon, on sauvegarde, on fait dodo. Je pense que Dorn, tu peux faire mieux. Je pense que tu peux lui prendre sa vie, quitte à ce que t'aies un problème. Dorn, tu vas mourir face à un squelette? Je peux toujours essayer. Tu peux partir. Je peux Passons aux choses sérieuses maintenant. C'est de mon proche. Je pense que ça ne servira à rien, mais c'est pas grave. Passons aux choses sérieuses maintenant. Razad, t'es pas obligé de mourir aussi, hein. On va s'en débarrasser vite. Une nouvelle victime. C'est Razad qui a pris ça le coup. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Prends pas. De toute façon, on va mourir, hein. On le rappelle. Oui, bien sûr. Donc on va continuer tout droit. Le level est tendu. Ouais.
Pour ça, je l'ai appelé Escape Game, hein, parce que c'est totalement ça. Bah, bon, ça c'est bon. On sauvegarde. Continue. On est passé par là. En se disant, oh regardez, c'est pas du tout un truc qu'on avait reconnu, c'est une mythologie potentielle. Hop, on est passé par là. On a sauvegardé. On a tué des gens ici. On va les attendre là, en fait. N'oublions pas qu'on a exprès laissé cette grande salle où on dirait qu'il y a une attaque de boss pour ne pas y aller, hein. Donc on va pas monter. Hein. Moi, la gelée de moutarde, elle vise la gelée de moutarde pour pouvoir donner de la vie à la gelée de moutarde. Voilà. Non, 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 non. On va l'attendre. De toute façon, elle a besoin d'être un peu proche. Pfff. On a bien fait de pas monter. What? Ah oui. Ah oui. Donc là... Il y a le squelette combattant qui risque d'arriver, donc faut faire attention. Essayer de la tirer par là. Allez, allez, bouge, 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 bouge. Oh non, le squelette combattant. Mon pire ennemi. Attendez, on va essayer de faire un truc. Dès le début, prends ça, toi. On va te faire les Kamehameha de Razap. Deuxième. On n'est pas censé prendre autant de coups là. Excusez-moi, bonjour. Oui, aux figures autoritaires. Tu veux pas faire le nuage là, pour qu'on voit ce que ça donne? Regardez, ça c'est comme dit Sanzai, c'est très punitif. Regardez bien le nombre de ratés. Alors ça, tu peux t'enfuir. Je le répète encore une fois, tu peux partir. Non, ils sont hyper punitifs parce que ils ont décidé que c'était comme ça qu'un bon jeu était. Sauf que c'est pas du tout le cas. J'ai pas sauvegardé après. Pourquoi je reviens ici à chaque fois là? Elle est plus là l'araignée éclipsante? Pourquoi on se retrouve avec des tonnes de zombies? Pas grave. On va se dire que c'est pas grave. Le serviteur, je pense que ça va être plus compliqué, je sais pas pourquoi. L'araignée éclipsante était qu'une. Bénis-nous. Par contre, on n'est pas obligé de les suivre. Oh là là. Je comprends pas, on avait pas chargé, on avait pas fait un truc comme quoi on avait sauvegardé juste avant? Bah apparemment non. La sauvegarde a été détruite, oui, ils ont dit. Une tâche facile. Ah, c'est possible. Save scum, c'est quand même très très mal. Je trouve que c'est très très méchant, je trouve. Non, moi j'aime bien le Tactical Sleep to Heal, c'est vraiment le système de jeu. Après c'est... Je préfère dire que c'est comme ça qu'ils ont décidé du truc, parce qu'en vrai, quand tu joues au jeu de rôle, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire le moment où tu dois dormir, tu vois, ça t'es accompagné par la personne qui crée le jeu avec toi, mais... Je ferai de mon mieux. Mais moi, je trouve ça logique. Après, c'est clair qu'en système de jeu vidéo... Ouais, comparé aux 3 vies et tu dois mettre une pièce dans les arcades de l'époque. Clairement, tu sauvegardes. Clairement, déjà. Mais c'est peut-être grâce à eux aussi qu'on a le droit aux sauvegardes maintenant. Pourquoi je meurs face à ça, là? Ah, le poison. Ah, le poison. Okay. Attendez. J'ai de quoi pour toi. Si tu veux bien ne pas mourir. Je peux prendre de la potion. Je t'autorise, Razad, à prendre ta potion. Prends ta potion. S'il vous plaît, les gars et les filles, vous pouvez reculer. Juste qu'on se tape pas le squelette tout de suite, là. Oui, bien sûr. Et... Oh, mais c'est pas...
Le serviteur de Dame Nature. A... J'ai pas un truc aussi. Là, ça c'est poison ça. Voilà, hop, un son de poison pour. Elle est. Exactement, j'autorise Razad à prendre de la potion ou une bonne rasade de potion. Exactement. Sachant qu'elle coûte 200 balles, ça montre à quel point je. Razad m'importe. Marion Hall, je ne connais pas. Mais l'OL. Il y a peut-être un Marion à l'OL, mais je ne sais pas. Pas obligé hein, de courir derrière les gelées. Vous n'êtes pas obligé d'être agressif. Hein. Je le répète encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Par contre, toi tu vises Roland de la Tour Brosson, au bout d'un moment, Roland de la Tour Brosson va te viser. Hein. Alors hop, 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 les corps à corps, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Non mais, je le répète, vous pouvez stand by. Stand by. Stand by. You know? Oh là là. Je clique sur des trucs, c'est juste pour pouvoir m'embêter. Razad qui va mourir en plus. Batig, ils sont tous agressifs là dans cette équipe. Ils veulent pas se la jouer calme. Regardez-moi, ils sont à 4 dessus. Les premiers Mario, ok. Eh oui. Et après, Nintendo a inventé la save automatique. C'est pour la blague, hein. Je ne sais plus qui a inventé la save automatique. Qui est parfois en enfer, je rappelle que la save automatique aussi est un enfer de save. Mais c'est pas mal. Rappelez-vous, hein, que Skyrim, le nombre de fois où vous sauvegardez, hein, oui, bien sûr. C'est assez incroyable, hein, moi je crois. On va re-sauvegarder ici maintenant d'ailleurs, parce qu'on est plein de points de vie, de trucs qu'on peut utiliser contre cette personne. J'espère qu'il n'y en a que un. Parce qu'on va claquer. Et en plus, il est résistant à la magie, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va avec ce personnage. Il n'avait pas un truc... Ah oui, il a peut-être cassé son... Voilà, tiens. Je pense qu'il va mourir, mais c'est pas... Donc, il a une résistance à la magie. Mais... Résiste-t-il... aux attaques de flèche. Par contre, laissez Razad, s'il vous plaît, passer. Passons aux choses sérieuses, maintenant. On va se booster. C'est qui est devant? C'est... ouais. Et là, on est en pause. Ah non, c'est, les corps, c'est que pour toi? Ah. Ok. Ok, ok. J'ai les Aertopum qui se sont effacés. Ah, les lettres. Ok. Razad est déjà touché. Qu'est-ce que tu as, Razad? Point enflammé. Ah, mais non, c'est, tu n'es pas touché, tu as lancé ton sort. Par contre, faut l'utiliser. Hein. Avec bon essence, s'il vous plaît. Je ferai de mon mieux. Dorn, tu peux laisser passer les autres. Hein. Je dis ça comme ça, mais... Ni vu ni connu, tu peux lui lancer un petit sort de « je te bouffe la vie ». Pourquoi tu as... Pourquoi tu n'es pas la flèche, Roland de la Tour Brosson? Elle a claqué toutes ses flèches, là? Non. Flèche. Oh, on est au début du... On est au début de la tour, on n'a plus de flèches. Vite, vite, vite. Trouvez des flèches. Lui, on va lui donner toutes les fléchettes. Mais d'accord, c'est la même chose, hein. S'il les lance, ça fait mal. Salut Ringbell, attends, je te shoot tout en passant. Ni vu ni connu. J'espère que tu vas bien.
Je l'ai fait très récemment, j'avais jamais réussi à rentrer dedans. Je trouve que la plus grande innovation de ce jeu, c'est quand même les potions d'invisibilité avec lesquelles n'importe quel péon de garde sur un rempart te repère en plissant les yeux. Bon, leur secret dans CRM, c'est que le bouc qui produit les potions d'invisibilité les coupe avec de la flotte. Ouais, c'est possible. Hein. Moi, je sais plus, moi, j'ai pas fini, mais je suis aussi à la fin. Ça fait partie des jeux où je suis à la fin, où je ne finis jamais. Comme Dishonored, par exemple, où j'adore le jeu. Mais j'en suis à la fin. Tout simplement. Voilà. C'est les jeux que je ne veux pas finir, un peu. Et ce qui arrive, en fait, ce qui est marrant, c'est que je l'ai joué en mode un peu comme Roland Atourbrosson, c'est-à-dire que j'étais full. J'agis sur le monde, mais je ne fais partie d'aucune guilde. Sauf la guilde des assassins, je crois d'ailleurs. Des voleurs. Enfin, toutes les guildes occultes, entre guillemets. C'est-à-dire les guildes qui te permettent de cacher, etc. Donc qui m'intéressaient. Et du coup, en fait, constamment, j'étais accroupi en train de flécher tout le monde, même les Dwemer, là, les grosses machines. Passons aux choses sérieuses maintenant. Dans le dos, attendre. Parce que c'est mon style de jeu, un peu, quand même. La furtivité. Tu peux ne pas mourir, s'il te plaît. Et je trouvais ça très rigolo. De pouvoir faire ça comme ça. Donc voilà, j'ai joué majoritairement à Skyrim comme ça, et j'ai fait presque tout le jeu comme ça, sauf le problème c'est les dragons, c'est ce moment où t'es un peu à l'air libre à devoir te taper face à des dragons. L'interdiction de la furtivité à ce moment-là, mais ouais, c'était rigolo parce qu'en fait, les cris, tout ça, c'était rigolo. Je crois qu'on a réussi. Et maintenant, une tâche facile. Ah, il y a quelqu'un qui peut prendre le chapeau. Ça va nous servir, ça? Poids 2, protège contre les coups critiques. Intéressant. Ah, allez, hop. Prends. Ah, je te voyais pas comme ça, la photo ne te ressemble pas sur le casque, Cade. Moi j'ai juste fait Oblivion, mais je n'ai jamais fait la quête principale, par contre j'ai roulé sur tout le reste. Exactement pareil que toi, Clem, je crois qu'on a le même système de jeu. Hein. C'est pas pour rien que tu passes de temps en temps ici. Je pense qu'on joue un peu pareil, au final, parce que j'ai exactement fait la même chose sur Oblivion. En fait, sur Oblivion, j'ai joué un personnage énervé politiquement. Ils sont tous là. Du coup, c'est très énervé. Je suis très contre plein de gens. Comparé à Skyrim où j'ai joué un peu en retrait, là j'ai vraiment joué full. En fait, tu me parles mal, je te parle mal et je te tue directement. De face, quoi. Un peu comme. Là, c'est un mélange entre mes deux systèmes de jeu de base sur ce genre de jeu. Les Heroic Fantasy. Plus la référence, bien sûr, au JDR que j'avais fait, où j'avais participé du Seigneur des Anneaux avec Pierre de la Tour. Parce que maintenant, Pierre de la Tour a officiellement un frère qui est Roland de la Tour-Bresson. Alors non, on n'a toujours pas des chaussures. Pas très bavard, ok. Bon, repose-toi bien, t'inquiète. On va faire dodo. Après, faudrait que je réfléchisse pourquoi je choisis toujours des gens qui habitent dans une tour. Mais voilà. Tu vois, par exemple, là, Roland de la Tour-Bresson, bah, ils sont un peu à l'aise. Parce que c'est un peu chez lui. Oh, oh non, je dois être plus touché. On vient de faire dodo. On a perdu 90 millions de vies. Même jouer des tours. Un peu, ouais, je pense que c'est peut-être la blague. Non, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça. Dans le Seigneur des Anneaux. L'idée c'était qu'on allait jouer forcément avec une base, et moi j'étais un garde de la tour de comment ça s'appelle là, la grande cité avec un arbre mourant, je sais plus, qui est renacu quand l'autre barbu arrive. Mais vous êtes pas obligé de revenir à chaque fois que je fais dodo. Jamais avancé.
Il était très énervé, j'ai remarqué Razad là, il a dit Kamehameha dans ta tête, tu vas mourir tout de suite. Voilà. Hop, on sauvegarde. Regarde. Ah, unpacking. Ah, il paraît que c'est bien. Moi, je suis pas très fan, mais... Il y en avait d'autres. Ma lame vous coupera en morceaux. Ouais, petit contrôle à la famille. Moi, je suis pas très fan, hein. C'est juste... Oui, bien sûr. Il est chill, clairement. Je suis pas fan du système de jeu. En fait, c'est un peu comme Power Wash Simulator. Tu joues oui. Une fois parce que pour voir ce que ça donne, mais en vrai... C'est un truc où tu reviens. Enfin, je trouve pas. Bon, ça a l'air d'être vraiment la... Ah, mais ça, c'est du coup, c'est un truc au trésor, ici. On visite, hein, mais on n'avance pas. Alors, on est arrivé là. Apparemment, on pouvait aller plus bas en bas. On va aller là. Où ? On revient ici. Ouais, je comprends. Bah, en tout cas, profite. Et moi, c'est marrant, Sunzai, que tu dis que tu t'attendais pas à aller au storytelling. Je pense que justement parce que le truc, c'est juste de déballer qu'il faut énormément de storytelling. Et je trouve que l'histoire était... On a dit qu'on passait outre les pièges et qu'on faisait comme s'il n'y en avait pas. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, bien sûr. Je vais me prendre de la foudre parce que c'est tout à fait naturel. Je suis tombé amoureux. La foudre m'est tombée dessus. Comme ça qu'on dit, hein, je crois. J'en ai assez. Voilà. Ça, c'est juste pour faire... est-ce qu'il y a des potions magiques? Ah, il y a des flèches. Oh, une armure de plate. Dorn, s'il te plaît, porte-moi ça. Voilà. Toi qui arrive à porter des cadavres. Les carreaux, on s'en fiche. La flèche, oui. Ça, c'est quoi? Potion d'héroïsme. À quoi ça sert? Point de vie, en plus? Ok, on prend. Il n'y a plus de place. Est-ce qu'on garde cette se faire contaminer? Je ne sais pas. Rien que se balancer des flèches dans les poches, c'est déjà compliqué. Voilà. Pas besoin d'identifier ces flèches, c'est des flèches. Je crois que Dante était dans le truc, il y avait autre chose. Voilà, prends ça et ça, au cas où. C'est bon. Ça, je pense que tu peux donner à quelqu'un. Voilà. Oh, le doublage d'Imoen est terrible. C'est soi-disant une jeune femme. Voir une petite enfant, parce qu'en fait je crois que c'est un peu ça, c'est ils ont dit qu'elle avait elle était très jeune. Alors moi je braque le jeu, genre, trouver un rebord de fenêtre sur lequel quand je saute je retombe direct, et donc je saute en boucle en regardant une série sur un deuxième ordi, puis quand agilité est au max, je booste une autre cape, et quand j'ai toutes les capes au max, je roule tranquille sur le jeu. Un peu pareil, ouais. Là je fais la version, je suis dans un film américain. Je roule sur l'ensemble de ce qui se passe. Et on va manger ce raisin, hein. On peut pas manger le raisin. 510 balles. Domination mentale. Intéressant, on va pas prendre. On prend les pieds, les, voilà. Ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'avait dans sa poche, donc on va pouvoir prendre. Hop, nous sommes actuellement équipés. Quoi qu'il les avait, les billes, plus 2. Pourquoi il les prend pas? C'est des billes plus 3, c'est ça? Ah non, c'est parce qu'elles sont pas identifiées, du coup je peux pas les stock. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez! Ah mais c'était pas une potion de vie ça? Ok. C'est quoi ça? Dague de jet.
rien du tout à ce que je voulais faire. Y a pas quelqu'un qui veut empocher des choses là, parce que... Par contre ça, mais c'est ça. En fait je suis pas sûr que ça va nous servir. En vrai, on a tellement pas d'identification que... Oh non... J'ai la flemme. Attendez. C'est quoi ça? Je fais dodo. Alors, ah bon, ils ont le même âge. Moi, ils ont toujours dit que j'avais l'air un peu jeune et vieux en même temps. Je savais pas. Faut que je modifie ce truc parce qu'il y a d'autres choses qui ont été rajoutées. Cette annonce. De Twitch chat. Ok. On est d'accord, j'ai réussi à dormir ou pas? On retente. Là, on a réussi. Oh mince, attends. J'ai annulé. Donc là, il y avait un truc, mais j'ai pas compris ce que c'était. Bonjour. Ah, c'était vous. Ma lame vous coupera en morceaux. Je vois rien de la map, hein. C'est incroyable. Vous voyez quelque chose? Ouais, les squelettes qui se cassent, au moins, ça, c'est pratique. J'avoue. Ah, est-ce que tu as toujours ton casque niveau 1, là? Ouais, un nouveau casque pour toi, super. Ça, c'est ça que tu dois porter. À vos ordres. Oh non. Oh, nous sommes riches. Nous sommes blindés. Incroyable. Et tellement de flèches. Et des gemmes. Voilà. On va prendre toutes les flèches, non? On va les donner à Roland de la Tour Brosson. Est-ce que t'as de la place, Roland? Non. Il a plein de place. Et toi, t'as de la flèche, toi? Bah non. Sacrifions. Quoi? Elles sont où, les flèches, là? Ok, donc là on se retrouve avec des flèches qui sont un peu plus vénères et on va pouvoir récupérer les flèches qu'elle a récupérées. Donc, est-ce que ça je peux le porter? Est-ce que ça je peux stacker? Non. 18. Ça, hop. De toute façon, des flèches, c'est des flèches, hein. On va pas se mentir. Ça se lance. Même si on les identifie pas. 40. Peut-être qu'on va faire comme ça, c'est mieux. Et 10. On peut donner à personne, là. On n'a pas trop besoin de réfléchir à ce qu'on prend, hein, bien sûr, et ce qu'on porte, et ce qu'on tire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'identifier une arme. Enfin, elle a une histoire incroyable, Yuen, c'est un des persos les plus importants de la saga, et elle a failli être dans aucun des deux jeux. Ah bon? Mais c'est vrai qu'il la rend pas importante, là. Alors, c'est vrai que dans l'histoire que Roland de la Tour Brosson a, il ne parle pas de ses... il a son propre journal, c'est-à-dire qu'il ne parle pas des autres personnes, clairement, avec qui il participe, à part leur rencontre. Donc en vrai, elle peut être importante dans le lore même de Roland de la Tour Brosson, mais le truc c'est qu'il n'en parle pas beaucoup, à part le moment où il l'a rencontré.
toute façon, on l'a déjà, je crois. Devenons riches. Avez-vous besoin de mes services? S'il n'y a ouais, pas il faut que choix. Tu ouvres tes poches. Ah, merci. Hop. Une tâche facile. Alors, la map. Donc, on a tourné au bon endroit. On n'a toujours pas rentré dans ici. Et en bas, il y a encore de la place. Et en haut, aussi en haut. C'est très très long comme niveau. On dirait un niveau de Diablo. Alors non, c'est, alors non, on va pas utiliser ce terme-là. Roland de la Tourbrosson a quand même rencontré des gens et il s'est dit on va traîner en tant que personne et on va arrêter d'essayer de traîner avec des mages. Chose qu'on n'a jamais traîné à cause de Gorion d'ailleurs. Baptisé. Donc on a lancé des flèches. Laisse tomber. 2000 de points d'expérience. C'est quand tu veux, Imoen. Hein, si tu veux venir, tu. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. C'est quoi ça? Un combattant squelette? Ah non. Oh non. Finalement, les flèches font le taf. Hein. Oui, bien sûr. Eh, hey, mais c'est un ring. C'est la salle de sport. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut avoir un chapeau mieux? Ah bah t'as pas de chapeau du tout. Elle a des chaussures, elle, au moins. Voilà. Voilà, tu vois, Roland de la Tourbrosson, je ne sais même pas pourquoi tu ne portes pas de chapeau. Non mais c'est Roland de la Tourbrosson qui doit récupérer le chapeau. Pose-le par terre, s'il te plaît. On a tous les mêmes chapeaux nuls. On ressemble tous à Astérix. Oui. Allez hop. Une tâche facile. Non non mais il a un journal à lui. Ce qui est moi je trouve logique hein, si t'as un journal tu vas pas écrire sur tout le monde qui t'entoure et donner ton propre avis tu vois. Enfin, enfin tu peux donner ton propre avis remarque sur les choses. Mais je trouve que c'est logique qu'il raconte son histoire plutôt que le lore qu'on nous pose. De dormir. Hein. Et on s'est pris un petit sort. Là. Oui, celle de bah là c'est plus de pas de torture du coup. Ouais, on va regarder où on est. Du coup on est par là, d'accord. Là on est en train de se faire alpaguer. Comme vous pouvez voir, il y a même le sort qu'on voit à travers la map. Au cas où on sait pas exactement. Là il y a une porte dérobée. Ah, on pouvait passer derrière la salle de sport. Incroyable, je ne savais pas. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Je suis un peu choc de la taille de cette tour. Bah, je pense qu'ils ont tous un journal. Moi, je m'en vais. Putain, en tout cas. Oh, un train. Attendez. Comment c'est possible? A-t-il vu le futur du lag? A-t-il fait des expériences mécaniques? Tel le. C'est un train. Non, mais c'est vraiment. On est dans Fallout. Je reconnais. Faut aller chercher le. Faut aller chercher la clé pour ouvrir. Ah non, mais attendez, j'avais une clé pour ouvrir ça, là, je crois. Faut aller chercher la clé pour ouvrir la citerne d'eau. Référence à Fallout. Ah voilà, interrupteur de moteur. J'ai pas de place. Qu'est-ce que je fais avec? Rien. Là, je l'ai ouvert. Du coup, je la garde ou pas? Je vais faire la technique de... Je mets la clé dans... Je récupère l'ast. Je mets la clé dans le truc qu'on vient d'ouvrir. C'est quoi ça? Haleine ardente. Ah, mais ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Laissez-moi avoir la possibilité d'utiliser ça.
Personne qui nous voit. Je vais pouvoir claquer la, la potion de soin. C'est fait. Ah ah ! Quoi, c'est fermé ? Le jeu m'a troll. Est-ce que j'ai sauvegardé juste avant ou comment que c'est possible ? Ah mince, j'ai quitté. Le jeu, je lui mets la clé dans le truc, il dit bah en fait non, tu peux plus l'ouvrir du coup. J'en peux plus. J'en peux plus. Du coup, on va l'ouvrir. Hein. Récupère la thune. Il y a quelqu'un qui peut... Bon, je vais faire la technique de je mets tout au sol. Facile. Je peux même pas faire des trucs de genre je mets au sol. C'est nul. Moi je veux la potion de d'haleine ardente là. Élixir de santé, incroyable, qu'est-ce que ça fait? Seul le poison il guérit 10 points de vie. Ok, super. Franchement, j'ai payé cher. Une tâche facile. Non, je vais la poser juste devant. Ouais, c'est ça, c'est... tu l'as pas, c'est vraiment, tu peux pas l'ouvrir. Ok. Bon, elle est par terre, de toute façon. Je pense qu'elle va, dépop. Oh purée, j'avais oublié qu'il y avait tous les pièges, là. Mais non, c'est un truc alchimique. J'ai pas compris l'histoire du coffre. Pas obligé de lancer un sort. On va faire dodo. En plus, tu réussis même pas. Je sais même pas si on va réussir le premier niveau. Hein. Là, il est déjà 11h16. Dans 10 minutes, je suis parti. Il nous reste quand même beaucoup de place hein, dans cette carte. En plus, on doit attendre qu'il s'en sorte. On fasse dodo en plus. Je comprends pas. Je peux pas dormir. Je peux pas sauvegarder là. Pourquoi? Parce qu'elle lance des sorts x 90 millions, mais t'es pas obligé en fait. On t'a rien demandé. Mince. Oh, quel jeu. Pardon. C'est un truc alchimique, le truc que t'appelles un train. Ah, c'est... ah oui, d'accord, ok. L'alchimie. I know what is alchimie. Regardez, parce que j'ai l'impression qu'on se fait avoir dans les sauvegardes. Une tâche facile. Alors, l'utilisation de ce moteur, c'est par où? C'est pas ici, j'imagine que c'est de l'autre côté. Je sens qu'on va se faire attaquer là. Donc. Bonjour. Ah non. Peut-être de l'autre côté du coup. Ils ont bien attendu qu'on soit tous là. C'est gentil. C'est gentil déjà. Ils ont bien attendu. Ok. Là, il doit y avoir une porte ici, voilà. Merci. Piège. Ça change de d'habitude. On s'y attend pas trop. Ah! Ah, parce que... aller-retour! Ok. Aller-retour, hein. On rentre dans la salle, on sort de la salle. Je trouve ça un peu choquant. Alors, les endroits où on n'avait pas visité, c'était où? Mère de sûreté! Mère de sûreté! J'ai pris de la foudre!
Ah oui, c'est pas là. Ah oui, c'est ça, c'est l'endroit en fait. Plus touché que je ne le pensais. C'est l'endroit où. C'est l'endroit où en fait c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est cet endroit là où tu. Voilà, tu te fais électrocuter forcément à cet endroit là. C'est vraiment l'enfer. Hein. Voilà, on va sauvegarder. Du coup, le fait qu'on ait passé du côté de l'épée, ça marche mieux en fait, parce que tu évites les pièges. Et du coup, les combats devaient se passer avec les sorts en plus dans ta tête. Je comprends que c'est dur. Hein. Oui, bien sûr. Nous sommes gardons parce qu'on va encore se retrouver face à des araignées qui dit pop, on sait pas pourquoi. Non mais on est là, hein. T'es pas obligé de partir dans l'autre sens, Dorn. Hein. On est ici. C'est fait. Là, on a vu le gardien, ok. Là, on n'était pas allé par là parce qu'il y avait des pièges, je crois. On s'est dit, oh, en fait, j'en ai marre des pièges, et là, on avait tracé en bas. Donc on va faire la même chose, mais de ce côté. Ah! Ils attendent. Ah. Ah, il y a eu un petit bug de streamer bot. Non, j'ai fait exprès de traverser, mais je pensais que ça allait bien se passer. En fait, pas du tout. En fait, on peut pas le désamorcer celui-là. On l'avait déjà essayé. Être plus touché que je ne le pensais. Et vous êtes pas obligé d'arriver tous en même temps. Pourquoi? Aïe. Bon, on a besoin de quelqu'un qui a le pied agile. Allez, Razad, va mourir tout ça. C'est intéressant, c'est une forge. Plein de flèches. J'ai des stacks à l'intérieur? Non, pas du tout. Non, mais je vais pas abandonner tout ça, hein. Je suis désolé. Hein. Je vais mourir en retour. Vas-y. En fait, on a les poches trop pleines, encore une fois. Ça me fatigue. Bon. Mais c'est qui peut faire fonctionner cet engin? Parce qu'on est d'accord que le truc que j'ai là, c'est pour les moteurs. C'est juste un interrupteur. Pas pour faire fonctionner la forge. On en a vraiment besoin, là. Je pense pas, hein. On part. Ok, donc du coup, là, il y a une forge. On peut aller là. Mais ça va pas nous aider de plus. Je pense qu'on va aller voir le gardien. Une tâche facile. Non, je peux rien faire, mec. Bonjour. Ah, mais c'est ça. C'est un monte charge. Je suis la malédiction du gardien. Je vole son navire. Je gâche son passé. Plus il en a, moins il a l'impression d'en avoir. Il devient l'esclave des chez objets brillants. Ok. Pourtant, ma faim est grande. Donnez-moi ce qui brille, plus que tout. J'ai eu une apparition étrange. Voici ce qu'elle disait. Les quatre gardiens. Ah, ça c'est une énigme. Je suis le fléau du guerrier, je vis dans l'obscurité de son âme, je le mets à genoux, tremblant et sanglotant, incapable de lever une main pour se défendre. Et pourtant je dors, réveillez-moi. Une énigme. Je suis la folie du guerrier, je l'afflige de confiance et de respect, je ralentis la lame dans sa course en volant sa passion pour le sang et en offrant en retour des sentiments plus cléments. Pourtant, ma soif est encore plus grande. Donnez-moi la boisson douce et cramoisie du rire et de la passion. Oh non! J'ai claqué toutes les potions! On va leur donner des potions?
Nouveau mob, la zombie hyène qui pop dont il te reste 20 de vie. C'est juste une blague par rapport aux mobs qui ont popé juste après, qui se sont pris le petit piège. Oui, c'était les blêmes. Je suis le destin du guerrier, je lève au-dessus de ses frères. Je l'élève au-dessus de ses frères, j'amplifie ses actions. Il devient méprisant alors qu'il était respectueux. Il devient géant alors qu'il n'était qu'un homme. Il me manque pourtant le véritable honneur. Enlevez-moi, élevez-moi dans la gloire, dans le récit de mes faits, d'armes, ma fierté sera honorée. Par la transmission du savoir, mon épée montrera ma gloire. Et vous saurez alors que ma satisfaction est grande. Ok. Mais moi, j'ai oui, de quoi activer le truc. Tu vois ? Mais ouais, mais je peux déverrouiller, t'inquiète. Hein. Par ici ! C'est pas un sort, c'est une capacité ! Essayez de comprendre les choses, là ! Ça, là, je l'utilise comment ? Oui, bien sûr. On va devoir réfléchir. J'ai pas le time. Je dors toujours. Okay. Salut. Les quatre gardiens. Alors, je suis la malédiction du guerrier, je fausse son avenir. Je gâche son passé. Plus il possède, moins il semble posséder. Il devient esclave des objets brillants, pourtant ma fin est grande. Ce qui brille est plus que tout. Je dois casser ces quatre gardiens. Je dois passer ces quatre gardiens pour descendre au niveau inférieur. J'imagine que l'un d'entre eux aura la pierre magique qui permet d'activer l'ascenseur qu'il surveille. Quelle chose brillante ce gardien pourrait-il bien vouloir ? De l'or, une pierre précieuse, il me faut résoudre cette énigme pour pouvoir progresser. Je la refermerais bien si j'en avais les moyens. Ça, c'est une pierre précieuse, non ? Ah là là, on va devoir se rebalader, c'est pour ça qu'il repop tout le temps. Je suis la folie du guerrier, je l'afflige de confiance et de respect, je ralentis la lame dans sa course en volant sa passion pour le sang. En offrant en retour des sentiments plus cléments. Pourtant ma soif est encore grande, donnez-moi la boisson douce et cramoisie du rire et de la passion. Je dois passer ces quatre gardiens. Donc une boisson liée à la passion. C'est le destin, et qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce qui pourrait honorer sa fierté, son épée, l'élever dans la gloire ? Il a fait mention du récit de ses faits d'armes, il me faut sans doute retrouver et lire ses chroniques, mais encore faut-il mettre la main dessus. Mais non ! Le lore, non ! Ouf, ça, il faut absolument... C'est pour ça que la forge est bloquée. Le fléau du guerrier, je vis dans les ténèbres, ok. Qu'est-ce qu'il verra ? C'est peut-être un grand bruit comme un roulement de tambour ou de gong. Peut-être autre chose. Il me faut décider cette énigme pour pouvoir progresser. Il y a eu un grand bruit tout à l'heure. Donc ça explique pourquoi il y a des pièges et des gens qui pop. Quel ennui ! Donc là, je pense qu'il y a les informations ici. C'est fait. Et là, on n'aura pas le temps. Il est 11h27. Celle-ci a été gratuite. Hein. Franchement, là... Bon, de toute façon il est 11h27, donc on va dire que j'abandonne maintenant. Voilà, voilà. Merci d'avoir été dans le coin. Je vais sauvegarder la partie, bien sûr. Je sais où je vais vous envoyer, vous savez où je vais vous envoyer. C'est la fin de la semaine, il faut l'achever, comme on dit. Hop, on va chez Lentille. Alors. Mince. Une énigme. Je remets le son.